Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce début septembre, le secteur de la culture reprend des couleurs après deux années marquées par la crise sanitaire. De nombreux territoires et salles de spectacle dévoilent ces derniers jours leur programmation pour la saison à venir. C'est notamment le cas de La Balise à Saint-Hilaire-de-Riez. Ouverte il y a déjà deux ans, la structure n'a pas encore connu de saison culturelle complète. Reportage Alexia Janet. Au niveau du gradin, vous êtes trois, c'est ça ? Après plusieurs mois d'attente, le public peut enfin faire son retour à l'intérieur de la salle de spectacle, La Balise. 2, 3, 4. Parfait, c'est bon pour vous ? Je ressors avec 4 spectacles et je suis bien contente parce que j'étais en grande difficulté de plus avoir de culture, de belles pièces de théâtre ou de beaux spectacles à me mettre sous la dent. En attendant le premier spectacle le 25 septembre, l'établissement a ouvert ses portes aux abonnés pendant 4 jours pour réserver en priorité leur place pour cette saison. Et les billets se sont même mieux vendus qu'espérés. Les gens repartent en fonction à peu près avec une moyenne de 5-6 billets. Les abonnés de la saison 2020-2021 ont reconduit leur abonnement. D'accord. Donc là, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais au niveau nouveaux abonnés pour l'année 2021-2022, on est à 90 à peu près abonnés. C'est assez étonnant. Alors effectivement, on a des gens qui peuvent en prendre 15, d'autres qui vont en prendre un peu moins. Mais on sent qu'il y a une attente et, de spectacle, quoi, du divertissement, de spectacle vivant. Une première rencontre avec le public qui permet aussi de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans la programmation. Ça va être aussi une première pour construire la suite en fait. Le projet de La Balise va se construire au fil du temps et au fil des rencontres. Donc c'est une première pierre pour une super belle aventure. On a aussi scandé la saison en temps fort, on a suivi un peu les saisonnalités, donc on a effectivement créé des temps forts autour soit d'artistes, soit de disciplines, et on a notamment justement alors un week-end sportif, parce que le pays de Saint-Gilles a été labellisé terre de jeu, mais on a aussi un festival, le premier festival, première édition du festival Le Goût des Langues, dont Yannick Jolin est parrain, et qui est un festival sur les langues maternelles en fait. 27 dates sont attendues tout au long de la saison. Une saison qui commence le 25 septembre avec le spectacle musical Madame Osbachung. À propos de la crise sanitaire, le centre de vaccination Terre de Montaigu réduit la voilure en raison du fort taux de vaccination dans le département et sur le territoire du Nord-Vendée. Près de 90% des plus de 12 ans ont ainsi reçu une première injection et 90% des 65-74 ans sont totalement vaccinés. Depuis hier, les portes du centre sont désormais ouvertes les lundis, mercredis et vendredis. Et puis à noter qu'un service d'autotest sera déployé à partir de la semaine prochaine. Une crise sanitaire qui n'aura que relativement affecté la fréquentation du Puy du Fou, c'est en tout cas le constat que fait Nicolas de Villiers, le président du parc vendéen. Et malgré une ouverture retardée de 2 mois en avril et mai dernier, que le Puy du Fou n'a pas pu rattraper, les chiffres de l'affluence de juin à août sont similaires à ceux de 2019, période d'avant Covid. Écoutez. C'est une année extrêmement honorable. Dans la crise que nous avons connue, c'est une année qui nous permet de retrouver vraiment des couleurs, de retrouver de l'optimisme pour l'avenir, puisque si nous avions été ouverts en avril-mai, peut-être que nous aurions fait une saison équivalente à celle de 2019, alors même que 2019, c'était avant le Covid. Donc oui, c'est très honorable, c'est très encourageant. Il y a beaucoup de signaux indicateurs très positifs pour les mois qui viennent. La saison n'est pas terminée, on ne peut pas tirer un bilan définitif, mais en tout cas, jusqu'à ce jour, elle s'est vraiment bien déroulée, encore une fois, dans la sérénité. Au chapitre agriculture, année exceptionnelle dans le département concernant les fourrages. Il s'agit de ces parcelles de maïs ou d'herbes destinées à l'alimentation des animaux. Et ces dernières années, les exploitations vendéennes, comme celle de Laurent Souchet à Sèvremont, se retrouvaient face à une pénurie de ces fourrages. Et mais cette année, grâce à la météo pluvieuse du début d'été, les parcelles ont pu être régulièrement alimentées en eau. Explication. Installé depuis 33 ans sur ces terres de Sèvremont, Laurent Souchet est formel. Ces parcelles n'ont jamais été autant gorgées d'eau. Une très bonne nouvelle pour les fourrages qui alimentent ces 80 vaches laitières toute l'année et notamment durant l'hiver.
Depuis le 15 juin jusqu'à les début août, vers 7-10 août, on a eu 200 mm répartis sur la longueur des deux mois, des deux bons mois. Et ce qui a fait que les fourrages, que ce soit l'herbe ou le maïs, ont toujours eu de l'eau à volonté. Résultat, l'herbe a pu être coupée deux fois plus que d'habitude. Et le maïs atteint des hauteurs bien plus importantes. Une année normale, c'est pareil. Aujourd'hui, il serait tout grillé. Là, vous pouvez constater qu'il est encore vert de chez vert. Quoi. Et bon, c'est tant mieux pour nous. C'est-à-dire qu'on va avoir un grain qui va être bien mature. Et en fin de compte, on aura une tige qui restera verte. Donc, plus de sucre. C'est d'autant meilleur pour la qualité du fourrage à donner à nos vaches. En plus, pour la qualité du lait, rendement du lait, plus elles mangeront du bon aliment, mieux elles seront en forme, mieux elles se tiendront bien. Cette saison est donc exceptionnelle. C'est même l'une des rares fois où Laurent Souchet n'aura pas à combler ses stocks en achetant à l'extérieur. Une aubaine pour la trésorerie de son exploitation en comparaison des années précédentes. Le prix du lait, c'est pas pour ça qu'il augmente, mais nous, on est obligé de prendre de la marge pour justement acheter de l'aliment, ce qui nous revient à un coût énorme. Il y aurait une autre solution, c'est de créer des réserves pour irriguer et tout ça, mais sachant que sur le pays de Pouzot, j'ai encore plus sur notre secteur à nous, nous avons la Sèvre nantaise à 3 km, mais entre la Sèvre nantaise et les collines de Pouzot, on n'a pas une goutte d'eau en sous-sol. Donc ça coûterait horriblement cher. Après, avec les contraintes environnementales et tout ça, créer des réserves, est-ce que ça serait le bienvenu? On ne sait pas trop. Donc aujourd'hui, on continue comme ça, avec la météo qu'on espère de plus en plus comme cette année, à venir, dans les années à venir. Laurent Souchet va ainsi commencer l'ensilage dans les prochains jours. Selon ses estimations, il devrait récolter 18 tonnes de matière par hectare, contre environ 14 tonnes lors d'une année ordinaire. On termine ce journal avec un mot d'éducation. Le nouveau lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, financé par la région, vient d'être inauguré à l'occasion de la rentrée scolaire. L'établissement accueille ses premiers lycéens, 270 élèves de seconde et de première année de CAP. Des ordinateurs portables ont par ailleurs été distribués aux élèves présents. Le conseil régional dote chaque élève qui rentre en seconde, qu'il soit dans le public ou dans le privé, d'un ordinateur portable pour l'accompagner justement dans son travail. Je veux le meilleur pour notre jeunesse et ça passe notamment par cet accompagnement numérique. Alors on l'a vu bien évidemment avec cette crise sanitaire qui s'est accentuée, mais c'est surtout d'avoir cette équité et de les préparer sur cette transition numérique. Pour moi, c'est un enjeu majeur et cet ordinateur, je tiens à le préciser, c'est pour justement toutes leurs années de lycée, mais ils pourront le garder pour leurs études supérieures ou pour entrer dans le monde du travail. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal.